Hello, ça y est, j'espère que ça guette. Je suis toute pimpée aujourd'hui pour t'emmener avec nous à une convention de science-fiction. Je t'affiche le nom juste ici. Il va y avoir des choses super cool, mais l'animation principale, ou du moins l'événement principal de cette convention, c'est bien sûr tout ce qui tourne autour du sabre laser, que ce soit les compétitions ou les démonstrations. Et ça va être très 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 intéressant. Du coup, c'est parti et je t'emmène avec nous. T'as vu, c'est un stand avec tout sur Ghostbusters. Là, il y a plein de t-shirts, de trucs. C'est des boutiques. On va voir un peu comment ça se passe aussi. C'est vraiment aussi intéressant. Oui, oui, bien. Là, on a un stand officiel pour tout ce qui est combat de sabre laser. Ah, tiens, ça regarde cette maquette plate que tu as envie de voir. Ouais. J'ai un peu marqué sur. J'aime bien les maquettes, tout ce qui est diorama, maquette, vachement cool. Là on a tout ce qui est imprimante 3D, là, plutôt cool. Le Nautilus. Ouais, Nautilus, oui. Aussi. Même la... Oui, la voiture de Batman. Fameux stand de nourriture. Japonaise. Des stands de dessin, voilà, des stands de... des trucs okay. Geeks. Je connais quelqu'un à qui ça plairait. Hein. Et alors, je vais... Ah bah oui. Non mais c'est bien, moi, tu t'es fait tes propres pièces. Le fameux vinyle, enfin... J'ai toujours du mal à retenir 35, non 33, 45, mais... Tiens, je vais voir un petit... Tiens. Atmosphère. Ah oui, ça j'ai joué quand j'étais gamin ça. Avec la cassette que tu... Moi j'y ai jamais joué. Les fameux laser disques. Un troll géant. Encore plus grand que celui qui était au début sur ma chaîne. Et il y a des Kirby. Ils sont jolis, les petits Kirby. Ah, il y en a un autre de troll aussi. Ah, en fait, c'est ça. On va avoir mal les gradins. On va voir l'autre côté et après on va dans les... On va dans les gradins ? Ouais. Okay. Ils s'entraînent avec... Bah, c'est ça que tu te rends compte quand tu viens. Avec les mousses de piscine. Ça c'est pour le service. Ouais. Ça c'est si tu veux t'engager dans l'armée. T'as pas envie d'aller.
Bon, on ne sait jamais hein, qu'un jour on doit se battre avec une autre galaxie des sabres laser. Bon, on n'y est pas encore. Hein. Ça, là, on a les sabres laser, c'est magnifique. Oh shit, c'est bien fait. Hein. Tout en lumière comme ça. Hein. J'étais pas du tout en été, mais on est à la Messe for Fiction. C'est la première fois qu'on vient. C'est une convention de science-fiction, mais qui est surtout pour le championnat de France de sabre laser. Et ça, c'est ce qu'on va aller voir juste après. C'est trop bien. On n'en a jamais vu, mais tout fan de Star Wars rêve de ce genre de compétition, ou même de manier un sabre laser un jour. Donc voilà. Il y a un stand de Gundam. Le chien ne s'arrête même pas devant pour regarder les Gundam. Et les petits robots comme ça, ça m'appelle un jeu de jouer que j'avais gratuitement avec la banque. Je sais pas si c'était une démo, un jeu complet, mais en gros, à un moment, on battait ces petits bonhommes. Enfin, ces petits robots, ce bonhomme. Il y a un stand trop magnifique. Juste là. Ma pote Laura, elle a beaucoup sa poche. Si tu vois. Bah oui, c'est bon, magnifique. Beau jeu. Merci. Oui. Donc elle est encore plus jolie. Donc je les trouve, mais oui, elle a des poches. Ça c'est vrai quand même, c'est un truc. C'est pratique. Si nous des fois les shorts pour mecs ils mettent pas de poches dedans. Ah ouais, du coup t'as un short et tu fais genre. Il y en a plein, il n'y a pas de poche. Je sais quoi ce délire là. Oh ça. Il y a un mec qui fait une carrière le soir. Alors moi tout à fait c'est dans le. Du coup c'est toutes des petites créatures où j'écris des histoires et je dessine. La carrière, c'est quand même. Merci. J'aime bien les gars. J'aime bien ça. Si tu bailles, on est tous foutus. Ah bah c'est terminé là. Et je viens de... Pardon. Ça va être pire, ça peut jusqu'à 19h30. Et maintenant, accomplis ta destinée et rejoins le coton. Donc, ah bah voilà. Je vous ai parlé juste avant cette prestation des phrases d'armes qui constituent le cœur de la chorégraphie et de la prestation. Mais ce n'est pas tout, il y a une deuxième chose qui est notée, parce que nous demandons, parce que nous sommes exigeants à tous nos compétiteurs d'inclure dans leur chorégraphie un certain nombre de mouvements imposés. Ici, nous avons 6 mouvements imposés possibles et dans les duels, ils doivent en obtenir.
balles maximum. Ces mouvements sont aussi coefficientés en fonction de leur technicité, de leur difficulté de réalisation. Sauf que cette fois-ci, c'est le règlement qui impose le coefficient, c'est le règlement qui impose et qui nous dit tel mouvement et de tel... Ouais aussi. Et de telles difficultés. Il y a, de la même manière que pour les phrases d'armes, les trois mêmes difficultés. On a des mouvements qui sont simples, des mouvements qui sont complexes et des mouvements qui sont avancés. Il y en a deux dans chaque difficulté et les compétiteurs peuvent choisir trois parmi ces six. Il n'y a aucune obligation à ce qu'il y en ait un dans chaque catégorie. Ils sont complètement libres de leur choix du moment qu'ils en choisissent trois. Je vais vous parler des notations. Les critères de notation sont donc la crédibilité et la précision. Est-ce que, encore une fois, c'est toujours la même idée, je vous en parle depuis ce matin, 9h, nous sommes dans une discipline martiale et même si nous sommes sur des catégories artistiques, techniques, des choses comme ça, le point important, le point de base, c'est d'avoir des choses qui soient crédibles, autant que faire se peut. Oui, c'est un sabre laser. Il n'en reste pas moins qu'on ne peut pas s'arrêter à dire « Bon, c'est une arme fictive, issue d'un univers cinématographique, donc ça n'a aucune importance, on va pouvoir faire n'importe quoi. » Au contraire, le parti pris de la fédération, des enseignants et tout l'encadrement fédéral, c'est justement de prendre le contre-pied. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une arme fictive qu'il faut faire n'importe quoi. On va au contraire cadrer ça et donner des choses les plus réalistes possibles. Issu de la Société d'escrime de Metz et donc de l'Académie de la Force, je vous demande de faire une ovation à Tom Boulanger et Paul Antonin Fontaine. Faites du bruit. Laisse-moi. La peur obscurcit ton esprit. L'Empire est trop puissant. C'est fini. Laissons la Force en décider.
venu directement de la région Centre-Val de Loire, de l'escrime Stéo Rouenan, en Saint-Jean de la Ruelle, Maël Douard et Alexandre Josserand. Faites du bruit pour eux, je veux vous entendre. Évidemment, une ovation pour Morgan. La reine. Il y a bien longtemps, dans la plus grande arène d'une planète de la bordure extérieure, les cris se font entendre alors que le plus important prisonnier de l'Empire est traîné vers sa fin. Sabre laser scénarisé fini, c'était plutôt chouette, moi j'ai bien aimé. Franchement, en même temps, qui n'a jamais rêvé de tenir un sabre entre ses mains? Qui n'a jamais rêvé de tenir un sabre entre ses mains? C'est quelque chose Et c'est que c'est très mixte comme compétition, donc c'est cool. Et là, on va se poser quelque part pour boire. À se coiffer. On a un quart d'heure. Hein. Oui. Et je vais juste repasser à un stand pour prendre deux trois petites choses que j'ai vues. Et puis voilà. Ah, plutôt cool. Faire le test des poussières. C'est pour savoir lequel vous accompagne. Je vous laisse faire la petite histoire. J'avais l'impression que ça m'était. Ah mais c'est juste. Non mais oui, j'ai une personnages. Ouais. Tu vas faire la présentatrice hein, aujourd'hui. Hein. Ah, voilà.
j'aimerais trop un jour qu'on aille un beau sabre laser chez nous. Ça pourrait être trop beau, genre au-dessus de la télé.
Bon Nolan, je te rappelle que t'es recherché. Il faut absolument qu'on trouve et qu'on détruise les documents qui te concernent. Cherche de ce côté, je m'occupe du fond de la pièce. Maître, j'ai trouvé un sabre. Laisse-le, c'est un trophée. Viens plutôt m'aider à chercher ici. Je pense que j'ai trouvé ce qu'on cherche. Oh, j'entends un bruit. Alors cache-toi, vite, vite. Elric, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu pour la prime concernant le jeune novice. Ah, les documents sont sur mon bureau. Lui, qu'est-ce qu'il fait là? Tu devais t'en occuper. La prime, c'était bien vivant. Mort ou vivant, c'est le même prix. Mais c'est un enfant. C'est un Jedi. Il est dangereux. Allez, occupe-toi. Retour au point de départ. Je suis rentrée de cette convention qui était pour les championnats de France de sabre laser en différentes catégories. D'ailleurs, ça continue demain. C'était vraiment génial. Voilà. Qui n'a jamais rêvé de faire du sabre laser? Personnellement, moi, j'ai toujours rêvé de faire du sabre laser. On jouait au sabre avec mon père quand j'étais gosse. C'était trop cool. Pas forcément sabre laser, sabre tout court. Mais c'était trop génial. J'adore vraiment ça. C'est une forme de discipline d'escrime. C'est une nouvelle arme catégorisée dans l'escrime, mais c'est une autre discipline basée sur de l'escrime, histoire qu'il y ait quand même un règlement, des choses à suivre, etc. Mais vraiment, c'est génial. Moi, j'adore ce genre de compétition. J'aurais pu rester pendant pouf. Après, j'ai fait des pauses, j'ai été à d'autres endroits, j'ai aussi acheté un petit truc, un stand créateur que je te montrerai. Mais franchement, trop cool, j'ai adoré aussi participer à la tombola. Je croise les doigts, je touche du bois. J'espère que ça c'est du bon bois, ça va bien me porter chance. Quoique, je vais toucher tous les bois que je peux. Ça aussi c'est du bois. Hein? Voilà, espérons du bon bois. Là aussi on a du bois. Du bois. Du bois. Ouais, le bois ça aussi. Bref, parce qu'on a participé à la tombola et je gagne jamais au tombola. Donc je pense pas gagner, mais que la force soit avec nous. Voilà, c'était trop génial. Demain, on remet le couvert.